Alors, quand on assure la passerelle, on comprend vraiment que ça a été nécessaire de le faire déjà pour relier oui. ces deux territoires. Mais après, on voit une colombe à un moment donné, une grande colombe. Ça, c'est un peintre suisse qui s'appelle Hans Erni, qui est décédé à l'âge de 106 ans. Okay. C'était un personnage incroyable qui a eu une vie vraiment, vraiment hors du commun et qui était un grand ami de M. Janada, tu sais, celui oui, qui Leonard de la Fondation Janada. Un très grand ami de M. Janada, d'ailleurs, il a fait les vitraux pour l'église protestante de Martigny. Il a fait de très, très beaux vitraux et il a fait un très beau travail. Il était très ami du ballet et il connaissait bien le ballet, mais quand il est arrivé à Saillon, il a dit que c'était vraiment une découverte pour lui. Il est tombé un peu amoureux de Saillon et il a trouvé que c'était formidable, Saillon. Alors, il a créé cette colombe que tu vois là-bas, voilà. que tu as retrouvée hier sur le tonneau. Voilà, tu sais, quand ça. On est allé oui. chez notre ami vigneron, Jonathan, c'est ouais. Jonathan, exactement. Donc, Erni s'est un peu passionné pour... il aimait le ballet, mais il a apprécié particulièrement Saillon. Donc, colombe, signe de paix, signe mais de paix. Avec un rappel au ballet, parce que dans son bec, il tient une... comment on dit, une, quand même... Un grappe de raisin. Un grappe de raisin. Après, ça va au-delà du ballet, ça va, tu as le côté de l'Eucharistie, tu sais, tu as tout aussi la symbolique qui va bien avec, sûr. Qui est liée avec le ballet, parce qu'on produit, je te disais, pratiquement 40% du vin suisse. Et donc, tu as cette symbolique associée aussi au fait que ça colle à l'image du ballet. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé, le cadeau d'Anserny. Sur la passerelle, j'ai vu qu'il y a des plaquettes avec des noms. Et oui. souvent, c'est des noms que ça me rappelle des noms valaisans. Donc, est-ce qu'il y a donc, un rapport par rapport à, disons, à cette passerelle et les gens qui habitent ici? Oui, il faut savoir que c'est une question de volonté. Il y a vraiment plein de bonnes volontés qui se sont regroupés pour construire la passerelle en 2001. C'est vraiment une volonté. Tu as vu déjà à Saillon comment ça fonctionne, hein? Tu ouais. as vu hier toute cette entraide, ce côté très communautaire comme ça. Donc il y a eu une oui. récolte de fonds et d'aide de personnes. Oui, c'est vraiment une volonté commune. Pour réaliser cette œuvre. Et tout le monde, tous les noms sont affichés là. Et après, tu as vu sur notre rond lorsqu'on est arrivé. Oui. Là, tu as la loterie romande. Il y a vraiment plusieurs entités qui se sont unies. Oui. pour pouvoir monter ce projet. Et bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Jeanette, merci. Bienvenue à Saillon, musée de la fausse monnaie. Parfait. Donc, je m'appelle Gérard Cambi et je fonctionne de temps en temps comme guide. Bien, alors moi voilà. je vais profiter de vous. Avez-vous envie de m'emmener dans le monde de Farinet? Voilà, alors on va commencer par descendre tout de suite à la cave à Farinet. Parfait. Où se trouve une partie de l'exposition qui lui est consacrée. Merveilleux. Alors on découvre là donc Farinet. C'est qui Farinet? Alors Farinet, c'était un faux monnayeur né dans la vallée d'Ost, qui a commencé par aller voler de l'or dans les églises pour faire des pièces d'or. Okay. Ça lui a mal réussi, il s'est retrouvé emprisonné, il s'est évadé et il a décidé de quitter l'Italie pour des raisons de sécurité et de venir s'installer dans le Valais central, plus ou moins, pour continuer son métier. Mais cette fois, il ne va plus faire des pièces d'or, il va faire des pièces de 20 centimes suisses. Et est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce qu'il a du succès dans cette... Ça fonctionne très bien. Parce qu'il est relativement généreux, donc il distribue les pièces de 20 centimes. En réalité, ce n'est pas tout à fait désintéressé, c'est que quand les gendarmes s'approchent du village, tout le monde crie « Farinet, cache-toi, les gendarmes arrivent !» Et quand les gendarmes sont repartis, Farinet sort de sa cachette et paye les gens en quelque sorte. Ah d'accord. Il faut savoir qu'une pièce de 20 centimes de l'époque avait à peu près le même pouvoir d'achat que 13 francs maintenant. D'accord, voilà. Donc, c'est intéressant pour les gens. C'est intéressant. Donc à partir de là, on peut dire quelqu'un qui est entre guillemets un bienfaiteur. En quelque sorte. En quelque sorte. Par contre, il est recherché par la police, il sera arrêté plusieurs fois. Et donc, la dernière fois, il va se sauver, il va aller se cacher dans les gorges de la Salinte, en dessous de la passerelle actuelle. Et là, les gendarmes lui tirent dessus, il tombe dans les gorges. La levée du corps qui est là, affichée,
indique aucune blessure par balle. Ah. Mais fracture du crâne et d'autres blessures de ce type-là. Donc il est tombé et c'est... Il est mort au fond du précipice. Par contre, pourquoi est-il tombé? On peut estimer qu'il a fait un malaise. Il n'avait plus mangé depuis plusieurs jours. Il avait à boire, mais il n'avait pas mangé. Il a pu se suicider. Non, ce n'est pas dans son style. Ce n'est pas son idée. Il a pu essayer d'échapper au tir d'un gendarme, glisser et tomber. Ouais. Donc, c'est les différentes variantes concernant sa mort. Par contre, il est tombé sur le territoire de la commune voisine. Il est tombé sur le territoire de Lettron. D'accord. Mais les Lettronnais n'ont pas voulu du cadavre de Farinet. Ils ont dit, gardez votre faussaire. Ouais. Eh bien, on l'a gardé. Beaucoup plus tard, on est tout content de l'avoir. Puis ils sont déçus et jaloux de voir que Farinet a fait mousser le tourisme à Saillon et pas à Lettron. Ben, vous avez aussi été capable, disons, d'un personnage que, si on veut, tout dit, c'était quand même un délinquant. On c'est est d'accord. C'est un délinquant, mais c'était considéré comme un Robin des Alpes. Voilà, parce que quand même, il était aimé par la population et pas aimé par la gendarmerie. Donc, vous avez réussi à, entre guillemets, à valoriser ce personnage. Exactement. Et en faire, entre guillemets, un héros. Donc, on va dire un peu ça. C'est le travail d'un journaliste, donc, qui a pris ce mythe et puis qui l'a fait mousser. Voilà, il a écrit un roman même, non? Non, il a écrit quelques petits ouvrages qui se trouvent dans la vitrine là-bas. Mais il y a un livre qui raconte l'histoire de Farinet qui a inspiré après un film. Alors ça c'est le livre de Ramu, donc un écrivain vaudois, qui a fait un livre donc racontant l'histoire de Farinet. Il y a juste un petit problème, c'est que c'est tout faux. Voilà. C'est romancé à l'extrême. Donc, Farinet, d'après le livre, vivait à Miège, il n'a jamais mis les pieds là-haut. Il fabriquait des pièces d'or, il n'a jamais fabriqué de pièces d'or en Suisse. Okay. Donc tout est romancé, arrangé. Ouais. Par contre, après, la télévision a refait des films, plusieurs films, donc on a des cassettes là-bas de ces différents films. Mais c'est pas... Ouais, le roman, c'était pas vraiment la vraie histoire. Le roman, non, c'était pas la vraie histoire. Mais dites-moi, en tant que femme, ce que j'ai entendu un peu dire, c'est que Farinet quand même aimait les femmes aussi. Oui, c'était un coureur de jupons, effectivement. Ah, voilà, c'est une voix qui m'est arrivée, donc oui, c'est vrai. Oui, c'est un coureur de jupons. Mais on n'a pas d'anecdote là-dessus, donc il a une fille illégitime dans la vallée d'Ost. Par contre, moi, je n'ai pas de traces de ça. Il y a encore dans la vallée d'Ost des Farinet de la famille de Farinet. Par contre, en Valais, on a la famille Farinet, mais qui n'a absolument rien à voir avec le... C'est simplement Farinet, c'est le nom qu'on donnait à ceux qui étaient dans la farine, donc les meuniers et les trucs comme ça. Alors, intéressant, cette petite cape a été crocheté par Farinet dans la prison de Sion. Lui-même. Il l'a fait lui-même, donc il était très habile de ses doigts. Et il a fait cette petite cape pour, en demandant des ciseaux, du fil, des aiguilles, enfin tout ce qui était nécessaire. Mais en réalité, une nuit, il a utilisé ciseaux, fil, aiguilles pour déchirer ses draps, les transformer en cordes et s'échapper de la prison. Donc, il a laissé le petit bonnet. Voilà, il a toujours ces deux côtés. Ce côté, on va dire, humain, doux et qu'on aime. Et l'autre, le Farinet qui cherche quand même de s'évader, qui est quand même un délinquant. Ah oui, bon, voilà. Oui, tout à fait. Alors, on a découvert l'histoire de Farinet, mais on va dire que Farinet n'était pas l'unique et n'est pas l'unique faux-monnayeur au monde, parce que d'après ce que je vois, il y en a eu plein. Voilà, donc faire des pièces de monnaie, ça ne paye pas tellement, c'est trop petit. Donc, ça a trop peu de valeur. Donc, les faussaires sont attaqués surtout aux billets. Alors, dans ces vitrines, on a par exemple ici des faux livres sterling anglaises, fabriqués par les Allemands durant la guerre pour payer leurs espions et essayer de déstabiliser l'économie anglaise. Des billets évidemment antidatés, datent de 36-37, en réalité ils étaient fabriqués début de 1945, trop tard pour que ça ait de l'influence. Voilà. Ici on a un Napoléon, un billet, un franc français à l'époque où c'était encore les anciens francs. Ce billet est fait par un faussaire polonais qui vivait à Paris. Il est absolument parfait. La Banque de France, quand ils ont retiré ces 100 francs ancienne génération pour les nouveaux billets de 100,
ils n'ont pas pu voir la différence, ils ont pris les faux avec les vrais. Aïe. Maintenant, on sait par les réactions chimiques que si le billet est parfait, le papier, lui, n'est pas parfait. Voilà. Ça, voilà. Après, on a des faux billets suisses, par exemple le rouge et le jaune. Le rouge est le vrai, le jaune est le faux. Comment on faisait pour ne pas voir la différence entre deux billets pareils? Ouais. Eh bien, tout simplement, c'est que personne n'en avait deux dans la poche. OK. Parce que ça vaut 13 000 francs maintenant. Bien sûr, donc ça, c'est voilà. Une bonne raison. Après, des faux dollars du Moyen-Orient, des faux 100 francs suisses fabriqués à Londres, amenés par avion en Belgique et qui remontaient le Rhin, mais le douanier belge a été mettre le nez dans l'avion. Aïe. Ici, un faussaire pas tellement doué, parce qu'il s'est trompé dans les codes concernant la numérotation et la rondelle, là où il y a la lettre type. Ah. Après, la mafia italienne lui a commandé des billets de 1000. Même problème, la mafia a refusé la première livraison, ils ont attaqué la deuxième livraison, ils l'ont diffusé un peu pour voir. Ben, ils ont vu tout de suite, la police s'est aperçue qu'il y avait des faux en circulation. Et ils ont reconnu la technique de travail du faussaire. Et ils ont été voir à la maison, puis ils ont trouvé la... voilà. Et ici, on a 80 000 $ en faux. Ah, en faux quand même. Et puis, on termine alors, par les euros. Les faux euros, donc, qui ont... Donc, en général, c'est plutôt les billets de 50 qui ont été faits. Ouais. Mais ces faux, donc, sont pleins d'erreurs. Donc, vraiment, on ne peut pas se fier à... Vous m'en dites un ou alors, deux? Alors, par exemple, la première chose avec les faux euros, c'est de regarder ce chiffre sur tous les billets. Ce chiffre doit changer de couleur lorsqu'on change à la lumière. Et ici, vous pouvez faire, c'est tout des faux. Okay. Aucun faussaire n'a réussi à avoir l'encre en question. Okay. Après, il y a le filigrane, donc dans la partie blanche. Okay. Certains ont un filigrane, mais par exemple, on a des filigranes faux, c'est-à-dire des filigranes imprimés en noir, alors qu'ils devraient être en blanc. Bien sûr. Okay. Donc voilà. Et puis après, alors, il y a les repères recto-verso. Donc ici, on a la moitié du 50 et l'autre moitié est derrière. Ça doit jouer parfaitement. Parfait. Sur la plupart de ces billets, ça ne marche pas. Okay. Donc le faux n'est pas parfait. Donc c'est un métier qui ne s'arrête pas. C'est un métier qui ne s'arrête pas, mais avec les éditions modernes, ça commence à venir très difficile. Très difficile. Et montrer les billets suisses à l'autre étage, les nouveaux billets suisses, c'est vraiment très, très difficile. Merci. Voilà. On est là avec Grégoire Antonin, le chef du Nouveau Bourg à Saillon. On vient de goûter vos desserts. Vous avez une cuisine quand même qui a quelque chose de très spécial. D'où est-ce que ça vient toute cette inspiration? Bon, après, la cuisine, c'est déjà une passion déjà. Et puis après, l'inspiration, elle vient avec... Bon, moi, j'aime bien travailler le goût du terroir. J'ai les goûts de l'enfance qui reviennent, bien sûr. Donc, j'essaie de travailler... ces produits-là, un petit peu avec la modernité d'aujourd'hui et puis un petit peu les techniques d'aujourd'hui qu'on a. Et voilà, alors la dernière question, c'est votre restaurant au centre de Saillon. Mmh. Donc pourquoi le choix de Saillon, qui est quand même un centre qui est très vivace, on voit qu'il y a vraiment une vie qui est très, très importante. Pourquoi le choix ici? Alors c'est pas un choix personnel parce que c'est en fait ils sont venus me chercher, le propriétaire de... La maison ici, il m'a téléphoné un jour parce qu'il avait l'idée de refaire un peu le restaurant ici à Saillon neuf et chercher vraiment les personnes qui pourraient exploiter au maximum dans cet établissement. Et puis après, de fil en aiguille, et ben voilà, on a eu la reconnaissance des guides et puis on a aussi le personnel qui est là depuis le début, en tout cas au service. Donc ça, c'est aussi important, c'est aussi une carte de visite pour nous au jour d'aujourd'hui et puis on verra dans le futur qu'est-ce qu'on a envie, ça dépend. Moi, je peux très bien faire des fondus, des raclettes, des assiettes valaisannes, j'aurais pas de souci avec ça, je pense. Alors, le rendez-vous est au Nouveau Bourg à Saillon, voilà. Avec Grégoire. Voilà. Merci. Merci à vous.
Alors Ginette, toi tu es guide du patrimoine, ça t'arrive bien sûr souvent d'accompagner des personnes à la découverte de ce qui est devenu le sentier de Farigné, un sentier particulier parce qu'il nous mène au milieu des vignobles. Oui, alors on appelle ça le sentier des vitraux. Ça veut dire que depuis le village, tu commences depuis en bas, depuis la plaine, tu montes jusqu'au bourg et ensuite le sentier te mène vitrail par vitrail, étape par étape, jusqu'à la vigna Farigné, cette vigne que nous allons découvrir. Évidemment, le parcours, on arrive tous au même endroit, hein. On arrive tous à la mort, là on a le vitrail de la mort, mais on passe par différentes étapes. Alors l'amitié, il y a vraiment toutes les... je pourrais te faire le listing, mais on va pas y rester jusqu'à demain. Mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment un parcours initiatique pour arriver jusqu'à l'endroit où on va tous, malheureusement ou heureusement. C'est la vie. C'est la vie. Alors ces gorges sont connues bien sûr pour Farigné comme on a vu, mais oui. Aussi il y a un personnage encore disons plus international qui a vécu dans ces zones. Pour moi il y a un personnage très très intéressant, c'est Courbet. Courbet c'était le maître du réalisme et il va fuir Paris pour des raisons politiques parce que voilà on va l'accuser d'avoir démoli la colonne Vendôme, il est un peu traqué et il va fuir Paris et il va venir se réfugier ici à Saillon. Et ça, on est sûr, parce qu'il logeait un petit peu plus bas. Et il faut savoir qu'ici, c'est le début du thermalisme à Saillon. Ah voilà, c'est bah oui, parce que tu as vu l'eau thermale en haut. Hein. Ouais. Donc, c'est le début du thermalisme, il est ici. Il faut savoir que Saxon, à l'époque, avait un casino. Les casinos ont souvent été en lien avec l'eau thermale, alors à Saxon. Et puis, les gens venaient jusqu'ici. Et ici, tu as cette eau que tu... On la voit fumer, hein, on voit qu'elle est chaude. J'ai essayé, tu as essayé, ouais, on voit bien, même si on ne te croyait pas, on voit que c'est chaud. Et donc tu te retrouves avec cette eau chaude et on avait mis des cuves comme ça. Et les visiteurs, les voyageurs venaient et se baignaient dans les cuves. C'est le début du thermalisme. Saillon va devenir un endroit un peu sur le parcours touristique avant que malheureusement Saxon ne périclite, enfin que les choses changent. Courbet arrive ici. Et tombe amoureux. Et il est surtout un peu contraint d'être là parce que... Mais il aime bien le Valais. Hein, voilà. Parce qu'on boit, on boit pas mal de vin blanc et ça, il aime bien. On fait la fête et ça, il aime bien. Donc, c'est un bon vivant. Et il va peindre ce fameux tableau qu'on appelle la caverne des géants. OK. Et disons que le personnage de Courbet et de Farigné, ils ont quand même une forte ressemblance par rapport, disons, à la liberté, à ce désir de ne jamais être casé, on va dire, de vouloir s'échapper un peu à ce que la société leur demande, d'être, disons, des personnes normales et qui rentrent dans un cadre, tous les deux. Alors, oui et non. Alors, oui, d'un côté, oui, parce que c'est les deux des rebelles. Mais Courbet a une ligne qui est beaucoup plus claire. Pour moi, en tant qu'au niveau de l'histoire, Courbet a une ligne beaucoup plus claire. Ça veut dire que politiquement, il est impliqué. C'est pas vraiment c'est des idéaux politiques. On est dans des idéaux plutôt que dans uniquement une question de d'opportunité, peut-être. Ouais, peut-être.
Mais quoi qu'il en soit, Courbet a de nombreux liens avec le ballet. Il a fait de la sculpture, il aimait beaucoup le ballet. Et c'est lui l'auteur de la colombe qu'on trouve quand on voit la passerelle. Non, ça c'est Anterni. Ah pardon. Alors parce que Courbet, on est en 1870. Ouais. On est à la même période que Farinet. Okay. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de preuve que Farinet et Courbet se soient rencontrés. Ok, d'accord. Alors, on peut supposer, oui. Mais on n'a pas de preuve historique que Courbet... Enfin, moi, j'en ai pas trouvé, en tout cas. Ok. Voilà. C'est deux personnages qui vivent une période très mouvementée, au même endroit, à la même époque. Alors, on est là avec Yann le sauveteur. Bien sûr, Yann, toi, ça fait combien d'années que tu es là à sauver, entre guillemets, les personnes? Alors, moi, j'ai commencé ici en 2003. D'accord. Donc, ça fait déjà 17 ans. Ouais. Et tu as vu donc le changement des bains de Saillant, parce que les bains de Saillant, elles débutent quand? En réalité, encore avant 2003. Alors, moi, j'y venais déjà quand j'étais petit. En fait, les bains de Saillant ont ouvert en 1983. D'accord. Pas tout à fait sous cette forme-là. À la base, il n'y avait que le bassin intérieur que vous avez peut-être vu avant, oui. Un bassin à l'extérieur et le bassin de natation. Parce que, Yann, finalement, l'idée, c'était celle d'exploiter une source naturelle d'eau chaude. Absolument. Et cette source, elle a des propriétés particulières. Alors, cette source, la source historique qu'on utilise à Saillant, elle est surtout chargée en calcium et en magnésium. D'accord. Donc, après nous, comment dire, on se rend compte que les gens, ça leur fait du bien de venir ici. Oui. Enfin, c'est difficilement quantifiable, mais les gens nous disent qu'en général, quand ils viennent passer quelques jours ici, ils se rendent compte que ça leur fait du bien. Ben, écoute, c'est un paradis, parce que ce qu'on voit, c'est que pendant les années, l'offre qui a été, disons, en fait, ça a parti, comme tu disais avant toi, du bain, mais finalement, on voit qu'il y a une offre qui peut contenter tout le monde. Absolument. Non? Absolument. Donc l'idée, ça a été finalement celle de réussir à exploiter cette eau chaude pour que ça devienne soit du point de vue médical et curatif, mais de loisir. Absolument, absolument. Dans un premier temps, les bains, c'est vrai qu'il y avait vraiment une habitude dans les débuts, dans les années 80, c'était vraiment... on va dire destiné aux gens qui venaient faire des cures, donc pour le côté médical. Et avec les années, ça s'est vraiment démocratisé. Et aujourd'hui, on a vraiment une clientèle familiale, très, très familiale. Alors, toi, ton travail, c'est pas facile. C'est beau parce que tu es au soleil, tu me dis que tu profites et tout. Mais quand même, il faut tout garder, que tout le monde soit sûr, que tout se passe bien. Donc, tu dois garantir une ambiance où il y a quand même pas mal de personnes et où tout se passe bien. Est-ce qu'il y a parfois des choses à régler ou le monde est assez correct? Alors, c'est évident qu'il y a parfois des choses à régler, mais l'immense majorité des gens se comportent extrêmement bien. De temps en temps, il faut aller juste donner une explication ou donner une information, faire des petits réglages fins, on va dire. Ouais. Mais d'une manière générale, ça se passe quand même très, très bien. Bien. Avec Natacha, le grand directeur des bains de Saillant. Natacha, tu as une responsabilité énorme, mais je vois par rapport au sourire des gens qui passent que ton travail est bien réussi. C'est gentil, merci. Je suis la sous-directrice des bains de Saillant. On est une formidable équipe parce que dans la vie, on ne réussit pas seul, on réussit tous ensemble. Et là, on est une équipe, une grande famille de 200 employés. Et vraiment, c'est ça aussi la force des bains de Saillant. Alors écoute, ton sourire est un peu le reflet de votre travail, de la qualité de ce que vous offrez. Depuis combien de temps tu travailles ici au bain de Saillant?
Alors moi j'ai travaillé ici il y a déjà une vingtaine d'années et je suis partie et je suis revenue parce que les bains de Saillon c'est aussi c'est dans mon cœur. Et là ça fait plus de 3 ans que je suis là et j'adore les bains de Saillon, c'est un bonheur de travailler ici.